Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler extensions. Donc là je ne les ai pas sur moi, je ne les porte pas. Tout simplement parce que je vais vous faire un petit montage, vous allez voir. Donc comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, en fait voilà, j'ai un coup les cheveux longs, un coup les cheveux courts, donc c'est pas magique, hein, je me cache pas, j'ai des extensions, je ne cherche pas à les cacher en tout cas. Donc voilà, en fait j'ai reçu des extensions d'un site. Vous savez qu'en ce moment ils sont pas mal à tourner, enfin. J'ai vu qu'il y avait des filles, il y avait eu pas mal de demandes. Voilà, moi j'en ai eu une et je l'ai acceptée puisque les extensions j'aime bien. Après, voilà, faut voir au niveau de la qualité. Je sais que j'avais reçu des extensions du site Royal Extension que j'ai pas forcément aimé. Déjà au niveau de la couleur, de la texture et des clips. Puisque c'est des extensions à clips, hein, je veux pas d'extension H24 sur mes cheveux. Non, non, c'est impossible. Donc je vous montre pour tout de moi. suite les extensions en question. Donc elles sont comme ceci. Voilà, donc vraiment au niveau de la matière, c'est quelque chose que j'adore. Donc je vous ai pas dit, oui, les extensions viennent du site VP Fashion, je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir un petit peu. De toute façon, je vais vous le présenter après rapidement. Donc voilà, au niveau des extensions, comment ça se présente. Voilà, donc les extensions à clips, donc les clips sont comme ceci. Donc je vais les comparer vite fait avec les Royal Extensions. Donc déjà vous voyez que bah, elles sont roses puisque c'est celles que j'ai colorées. Donc je vais essayer de prendre une mèche. Voilà. En gros, donc en gros, voilà comment ça se présente. Donc là vous avez les Royal Extensions et là vous avez les VP Fashion. Donc déjà au niveau de la matière, je sais pas si on pourra se rendre compte, mais celles-ci sont vraiment grossières. J'aime vraiment pas, je m'en rends compte là en ayant reçu celle-ci, je me rends compte qu'elles sont vraiment grossières, très très épaisses. Au niveau du cheveu c'est très épais, tandis qu'ici c'est beaucoup plus fin. En tout cas ça va mieux que mon type de cheveux et je trouve que c'est beaucoup plus naturel ce genre de cheveux que ça. Voilà, donc déjà pour la comparaison. Après au niveau des clips, voilà comment ça se présente. Donc là ils sont un petit peu plus fins quand même, ceux de VP Fashion, que ceux de Royal Extension. Voilà. Sinon, je voulais vous comparer aussi avec les miennes que j'ai, enfin que j'ai toujours mises. Donc c'était ceux de chez ProDuo. Donc voilà à quoi elles ressemblent. Donc ça c'est vraiment hyper fin quand vous comparez avec les autres. Voilà. Vous voyez que au niveau de l'épaisseur, je dirais, c'est beaucoup mieux celle-ci. Donc par contre au niveau des clips, voilà. Moi je préfère largement les clips de celle-ci quand même. Voilà. C'est tout petit à côté, donc ça se voit moins, ça se sent moins. Et donc, tiens, ensuite, bien cela. Vous avez, sur ces extensions, vous avez cette bande. Je vais vous les présenter. Donc tout d'abord, vous avez deux bandes comme ça que vous mettez sur les côtés. Voilà, donc par contre, ce que j'aime pas trop, c'est que voilà, ça, sur les bords, ça a tendance à se décrocher assez facilement. Donc soit ils auraient dû faire plus petit, soit en mettre deux petits aux extrémités, parce que ça a tendance à se soulever un petit peu en fait. Donc bon, ça c'est parce qu'elles sont larges par rapport au clip. Donc voilà, vous en avez deux comme ceci. Comme ceci avec deux clips. Donc voilà ce qu'ils auraient dû faire en fait sur les petites, mais bon je pense que c'était pas possible. Donc voilà, donc vous voyez qu'ils sont super super souples. Moi j'adore, j'adore, j'adore. Donc je les ai pas encore frisés, je vais les friser juste après pour vous montrer. Je les ai pas encore frisés, je ne sais pas ce que ça rend, mais en tout cas red c'est super beau. Je vous renvoie à ma vidéo. Ensuite, je vous avez deux avec trois clips, donc des bandes très très larges, voilà, que vous mettez avec les autres que je vous ai montré avant. Vous en mettez une comme ça et une petite de deux, voilà. Et ensuite, vous en avez une très large comme ça que moi je mets tout en bas, qui a quatre clips. Voilà, donc ça nous fait sept clips en tout. Donc voilà, ça nous fait 7 clips en tout. Ensuite, pour ce qui est de la longueur, j'ai les 50 cm cheveux raides. J'ai pris raides. Donc ce qui est bien, c'est qu'il nous envoie avec la commande un petit récapitulatif de ce que vous avez commandé. Donc pour la longueur des cheveux, c'est des 50 cm, donc c'est vraiment très très long. Et au niveau de la couleur, c'est la couleur numéro 22 si ça vous intéresse. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux en dire sur ces cheveux. Moi je les trouve vraiment super souples et la chose que j'ai remarqué quand je les ai reçus, c'est que il y avait une fourche au bout.
Voilà, il y a une petite fourche, je la vois, elle est ici. Donc, ce qui veut dire que c'est des vrais cheveux. Et ça ne m'étonne pas parce que voilà, c'est... ça ressemble à des cheveux, quoi. C'est pas des cheveux de poupée, quoi. Ça sent bon, ça sent rien de spécial. Donc voilà, sur ces extensions, je les trouve vraiment très très bien. Donc maintenant, je vais vous présenter rapidement le site. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Donc voilà à quoi ressemble le site. Donc quand vous arrivez, c'est tout en anglais. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un onglet comme ça ici. Hop, on y va. Pour aller sur le français. Donc on y va direct. Parce que moi, l'anglais, si je peux éviter, j'évite. Donc vous avez les extensions à clip ici. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez... chercher en fonction de la longueur que vous voulez. Donc moi j'ai les 50 comme je vous l'ai dit. Ensuite vous pouvez aussi chercher par rapport à la couleur et raide ou ondulé. Donc ça c'est plutôt sympa. Après vous avez les extensions à chaud, ça m'intéresse pas, mais voilà, ça c'est sur le site. Les extensions à froid, les tissages, et voilà. Donc après vous avez aussi les devises pour un petit peu mettre en euros, en dollars, etc. Donc là, on va rester en euros, c'est très bien. Donc, les extensions à clip, je vous montre. Donc, les 50. Donc, voilà. Donc, par contre, ouais, il montre un petit peu des stars, tout ça, pour montrer les extensions. Ouais, bon. Et donc, où sont les miennes? Voilà, ce sont celles-ci. Donc, je vais aller dessus. Vous avez même des ombrières, hein, j'ai vu. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà à quoi ressemblent les miennes. Donc j'avais un peu peur sur la couleur, mais ce qui est bien, je vous montre, j'y vais. Hop. Donc comment choisir la couleur, tableau de couleur. Et donc la mienne, elle est ici, donc c'est celle-ci. Voilà. Et donc tableau des couleurs, on y va. Un peu long. Donc là voilà, vous avez toutes les couleurs qui s'affichent avec le nom des couleurs. Donc moi je vais aller à la mienne. Moi c'est light as blonde, ash blonde, pardon. Donc la mienne elle est ici et donc c'est Blake Lively. Donc c'est la fille de Gossip Girl que vous avez. Et donc c'est le light ash blonde, je sais pas comment on dit. Donc on va zoomer pour voir, et donc voilà, vous avez un aperçu de la couleur. Donc ouais, je vais montrer à côté mes extensions. Donc voilà, donc ils disent que c'est ça. Ouais, ça c'est assez proche quand même. Donc bon, ils se foutent pas trop de nous quand ils disent ça. Et donc vous avez plein de couleurs. Voilà. Tout. On va remonter. Bon, ça s'est mis en bleu. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du site. C'est assez sympa. Je trouve qu'il est bien fait. On retrouve ce qu'on veut assez facilement. Donc après vous avez les différents blonds par exemple. Avec toutes les longueurs. Voilà. Donc voilà pour le site, hein, après il n'y a rien de... Donc voilà pour le site, c'est pareil que les autres sites d'extension. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les extensions posées. Donc je vous reviens tout de suite pour vous montrer le résultat. Tada ! Donc voilà ce que ça donne une fois appliqué. Donc là franchement j'ai mis moins de 10 minutes en tout cas. Allez, 7 minutes on va dire. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi je trouve le résultat vraiment sympa. Ça fait pas du tout au bout, ça fait pas du tout que drap comme j'avais avec les extensions de chez Royal Extension. Je vous mettrai la vidéo hein, pour que vous puissiez comparer, mais c'est vraiment super beau. Et par contre j'ai oublié de vous préciser que c'est les 100 grammes, et c'est peut-être pour ça que ça ne fait pas cet effet que drap, je pense, puisque vous avez le choix entre 50 ou 100 grammes. Là c'est les 100 grammes et c'est vraiment top quand, en tout cas, vous avez, puisque mes cheveux, vous avez vu hein, ils arrivent là à peu près. Ah, ils sont où mes cheveux? Ils sont là. Ils sont là, donc tout ça, voilà, c'est du faux cheveu. Et franchement, on voit pas vraiment la différence. Ça se fond plutôt bien dans ma masse de cheveux. Enfin, masse de cheveux, entre guillemets.
De derrière, ça donne ça. Hop, je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne de derrière. J'espère qu'on voit à peu près bien. Voilà ce que ça donne de derrière. Donc là, bien évidemment, mes cheveux... Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super joli. Voilà, j'aime beaucoup, ils sont souples, tout ça. Donc là, bien évidemment, je ne les ai pas encore lavés, donc je sais pas du tout comment ils reprennent au lavage. Je vous en reparlerai si jamais il y a un souci, mais je pense pas franchement. Donc pour moi, vraiment, c'est les meilleures extensions que j'ai pu avoir. Même celle que j'adorais de chez Produio à côté, c'est de la gnognotte. Super les motos, c'est de la gnognotte. Donc maintenant je vais les friser pour voir un petit peu ce que ça donne et je vous reviens juste après pour vous montrer le résultat. Donc voilà ce que ça donne une fois frisé. Donc moi j'adore ce résultat, ça fait vraiment du volume, enfin voilà, j'adore, les cheveux sont légers, enfin bon, là on voit qu'il y a mes cheveux, hein, vous voyez ici, mais voilà, ça se fond assez bien quand même. Donc voilà ce que ça donne. Derrière j'ai pas tout frisé, hein. Voilà, moi je trouve ça trop frais, je les adore, ils se frisent très bien, il n'y a aucun problème, donc voilà, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez, mais donc que ce soit raide ou bouclé, je trouve que les deux rendent bien, même si j'ai une préférence pour bouclé parce que j'ai les cheveux raides, donc forcément j'adore avoir les cheveux bouclés, c'est comme tout le monde je pense. Donc c'est comme tout le monde je pense, donc voilà un petit peu. Donc j'ai demandé un code promo pour vous, normalement il est actif, c'est soleil715makeup, mais je vous remettrai exactement les conditions etc. Donc voilà, sinon pour le prix, oui je vous ai pas parlé du prix c'est vrai. Donc pour le prix elles sont quand même assez chères, celles que j'ai coûtent 108€, mais franchement... Ça les vaut totalement, ça les vaut totalement voilà. Comparé aux Royal Extensions que je vous ai montré... Autant, voilà, je vous les recommandais pas du tout, mais alors celles-ci, vous pouvez y aller, quoi. Elles sont vraiment top. Voilà. Vous les recevez, moi je les ai reçues par UPS, très rapidement. C'est dans une enveloppe en plastique, je sais pas si vous voyez un petit peu, par UPS. Quand vous les recevez, par contre, elles sont attachées avec un ruban doré, comme un élastique, mais serré très fort à la base, en dessous des clips. Et par contre quand vous le détachez faites attention parce que j'y étais au ciseau et j'ai eu peur de couper les cheveux mais ça a été. Et par contre ça laisse une petite marque, bon c'est comme quand vous mettez un élastique sur vos cheveux, hein. Ça laisse une petite marque mais rien de bien grave. J'ai eu peur mais c'est parti assez rapidement. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les extensions, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous connaissez le site et également si vous avez déjà commandé. Mais voilà moi je les trouve vraiment géniales, je les adore. Ça fait absolument pas que drap comme certaines. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!